Salut tout le monde, malgré les conditions un peu compliquées dues au Covid, on va essayer de poser quelques questions aux professionnels. Allez les gars. Alors les gars, vous allez nous dire si vous avez un rituel d'avant-course avant de descendre du bus ou juste avant le départ. Non, j'ai pas de rituel, parce que si j'ai un rituel, ça me met la pression, donc je fais ça à la one again et puis on voit ce que ça donne. On sait que la pression, tu te la mets souvent en plus. Ouais, surtout l'année dernière, donc là cette année c'est vraiment zéro pression et je suis très content d'être là, donc je profite et voilà, on verra ce que ça donne. Non, j'ai pas trop de rituels, des fois un petit café avant de partir et puis c'est parti. De se mettre un peu la patate. Voilà, c'est ça. Ouais, bah j'aime bien me descendre une petite duvel dans les babines avant d'aller au départ, mais à part ça, non, rien de plus. Ah ouais, toi t'es pro duvel, même pas petite triple carmélite ou un truc comme ça. Non, bah après j'habite frontière belge, donc la duvel ça me semble bien, ouais. Ah, le rituel, c'est de bien vérifier que j'ai la bouffe bien rangée dans les poches. Parce que je sais exactement quel gel va à quel endroit, la poche poubelle, etc. Et puis après, bah, c'est sûr, vérifier la hauteur des chaussettes. Hein. Non, pas vraiment. Non. Avant-course, non. Bah, après, on s'habille dans le bus et tout ça. Donc non, j'ai pas vraiment de rituel d'avant-course. On n'a pas un petit café bien serré pour s'énerver? Non, justement, je prends jamais de café. Pourtant, beaucoup de cyclistes prennent des cafés. Il y en a, ils en prennent 2, 3, 4. Mais non, moi, je prends jamais de café. Donc, non. Même pas ça. Un esprit sain dans un corps sain. Voilà, c'est ça. Moi, les lunettes, je suis un fétichiste de la lunette. J'aime bien quand elles sont bien propres. Donc, je les lave 3, 4 fois avant le départ. Et voilà, comme ça, moi, je suis tranquille. J'ai pas de soucis de visibilité au départ. Un petit rituel, c'est toujours un bon café. Et puis un petit caca avant le départ. Merci. Mettre mon dossard déjà, juste avant de partir signer. Et après, appeler la famille. Le dossard, jamais la veille? Non, en général, non. Toujours avant de partir au départ. Ah, dis-nous, Louis, est-ce que tu as un rituel d'avant-course avant de descendre du bus ou de franchir la ligne? Mon rituel, tu le connais bien, mais on peut pas le raconter ici. Si, justement, dis-nous. Non, écoute, je suis pas quelqu'un superstitieux. J'aime bien crier, j'aime bien chanter, j'aime bien faire les cons, faire un peu les clowns. Mais bon, ça, c'est pas un rituel, ça, c'est ma manière d'y être. Et donc, je ferai pareil quand je serai pas cycliste. Il n'y a pas un petit passage dans les toilettes? Bien sûr, une trace de pneus, là. Idéal, là. Merci, Louis, et bonne course. Allez. Et voilà, c'était un Ask de Pro un peu compliqué, mais on a quand même réussi à avoir des belles réponses, parfois pas très pudiques. Mais c'est ça qu'on aime quand même chez GCN en français. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo et donnez-nous des idées si vous avez encore quelques questions à leur poser. Allez, ciao !